Bonjour, bienvenue chez Mon Baluchon. Je m'appelle Sophie Keller, je suis cofondatrice de l'entreprise avec mon associé Coralie. Mon Baluchon, c'est quoi? C'est un site d'e-commerce de proximité, de vente de produits vrac alimentaires et non alimentaires, français, bio, locaux et zéro déchet. Mon Baluchon a été créé donc en mars 2022, mais on a débuté notre activité le 29 avril dernier. Voilà, le site a ouvert à ce moment-là. Les gens commandent sur notre site en ligne, les produits et leurs contenants, puisqu'on a plusieurs types de contenants, des bocaux, des recherches craft biodégradables, mais aussi des bouteilles consignées. Et ensuite, ils choisissent leur mode de livraison, donc livraison à domicile, sur lieu de travail ou en retrait click and collect. Et bien du coup, ce matin, on va livrer donc sur un lieu de travail, à domicile, et on va aussi recevoir potentiellement une cliente en retrait en click and collect. Quand le client commande sur Internet, la commande tombe sur notre back-office, on la voit apparaître, on regarde le jour de la livraison ou du click and collect et on prépare sa commande au plus tôt la veille. J'ai imprimé les étiquettes de la commande qui est tombée sur Internet. Donc on a décidé le choix de faire des étiquettes et d'indiquer un conseil d'utilisation très pratique pour le consommateur. Par exemple, le temps de cuisson. Là, nous avons 500 g de pois chiches. Donc, nous allons aller vers les pois chiches. Alors, tous nos aliments sont dans des boîtes hermétiques pour un côté de conservation des aliments. Cette cliente a fait le choix du papier craft pour le pois chiche. Donc, elle doit certainement déjà avoir ses propres bocaux. Elle n'aura qu'à recharger. Donc pour les pois chiches, le producteur est situé à Bennes et ils viennent de l'huilerie de la plaine de Versailles. Nous travaillons avec des producteurs essentiellement locaux, donc des Yvelines autant que possible, et sinon ça reste du français. On a fait un sourcing assez sérieux des producteurs. Nous, notre engagement, c'est vraiment la qualité des produits. Donc on s'est mis en contact avec plusieurs fournisseurs. Et on a sélectionné les Français, les locaux, les bio ou agriculture raisonnée. Les pois chiches sont prêts. Nous allons maintenant passer aux haricots blancs. Et elle veut 500 grammes. Pour notre lancement, aujourd'hui, nous avons au total 140 références différentes sur notre site internet. Et nous sommes sans cesse en train de sourcer de nouveaux produits pour répondre à la demande de nos clients. Chez nous, vous pouvez retrouver aussi bien donc, toute la partie alimentaire, épicerie sèche, sucrée, salée, la partie non alimentaire, donc ça peut être les produits d'hygiène et beauté, les produits ménagers, des accessoires et un rayon animal également. Hop, donc là, nous avons terminé la commande. Pour le chocolat en poudre, la dame a choisi un bocal. Donc on retrouve bien la provenance ainsi que le conseil d'utilisation. La personne qui choisit un bocal pour sa première commande, le bocal est à elle ensuite, elle l'a payé et à la prochaine commande, elle pourra utiliser uniquement du craft et recharger ses bocaux. Les communautés d'agglomération de Versailles-Grand-Parc, Saint-Quentin-en-Yvelines et la Haute-Vallée de Chevreuse. On dessert aussi quelques communes périphériques, style Gif-sur-Yvette ou encore Saclay ou Louvciennes. Il sera amené à s'étendre, oui, mais pas tout de suite. Pour l'instant, on veut déjà pouvoir vraiment fidéliser la clientèle sur le périmètre en question. L'activité a démarré doucement la première semaine. Beaucoup de livraisons ou de retrait click and collect de notre réseau personnel, hein, famille, amis, voilà. Et dès la deuxième semaine, on a commencé à avoir des commandes de clients qu'on ne connaît pas parce qu'on a pas mal communiqué, notamment sur les réseaux sociaux. Bonjour. Voici votre commande. Votre première commande. Oui, votre première commande. Alors, sur mon lieu de travail, c'est pas formidable. C'est pratique. C'est très pratique.
beaucoup pour cette livraison express. Merci à vous. Et dans les temps. Merveilleux. Vous avez reçu un petit SMS juste avant votre livraison? Juste avant, j'ai reçu votre SMS. Okay. Voilà, pas de soucis. Vous avez d'autres livraisons là? Oui, là, on file à Versailles. On va livrer une cliente là-bas qui a commandé il y a la semaine dernière et qui du coup nous a passé une grosse commande. Là, il y a une dizaine de produits, que aussi bien que ce soit alimentaire, elle a pris beaucoup d'épiceries sèches, salées, et un produit ménager, je crois une lessive, et également des accessoires pour la cuisine et la salle de bain. Au tout départ, Sophie et moi, comment on s'est connus, c'est parce qu'on a emménagé dans un immeuble neuf, à Voisin le Bretonneux. Donc on a emménagé le même jour, en fait tous les habitants ont emménagé le même jour. Et j'ai eu le malheur de me garer sur sa place de parking. Donc j'ai retrouvé un petit mot sur ma voiture et donc je suis allée m'excuser auprès d'elle en sonnant à sa porte. C'était ma voisine de palier en fait. Et voilà comment on s'est connus. Donc après on était plus que voisines, on était amies. Et on s'est rencontrés en 2014 et donc en 2021, on a commencé à réfléchir, à monter notre société et à travailler ensemble. Aujourd'hui, on sait que la planète va mal, entre guillemets, et donc du coup, en tant que parents, on a envie que nos enfants puissent grandir dans de bonnes conditions et on a envie de leur transmettre ces valeurs et on a envie de faire en sorte que tout à chacun puisse y contribuer. Donc en créant notre entreprise et en permettant à tout à chacun de consommer zéro déchet facilement, on a envie que tout à chacun puisse contribuer à sa manière en fait. Être entrepreneur aujourd'hui, ça permet de construire quelque chose, de se sentir utile, d'être concret dans nos actions au quotidien. Bonjour madame. Bonjour. Alors je vous livre votre deuxième commande. C'est ça. Je crois. Exactement. C'est que la première vous a plu? Exactement, ouais, non, c'était top, donc j'ai commandé en plus gros maintenant. Donc là, on revient de livraison et il nous reste un click and collect à finir de préparer pour un retrait à midi, donc suivez-moi. Du coup, on fait du retrait en click and collect deux fois par semaine. Le lundi et le jeudi, enfin pour l'instant ce sont ces jours-là, ça sera certainement amené à évoluer. Donc entre midi et 2 et le soir à partir de 16h jusqu'à 19h. Là ce sont des biscuits en fait de Feucherolles qui sont confectionnés et fabriqués là-bas. C'est par les deux gourmands. Voilà, donc c'est encore une fois un produit local et un producteur local. Et voilà, donc ma commande est prête. On a fini de la préparer. Ces deux-là, ce sont des commandes en retrait click and collect pour aujourd'hui. Voilà.